Donc, c'est un isolement. Il y a des QCM, des clubs, et nous allons passer ensemble de corriger cet isolement. Et au fur et à mesure, lorsqu'il y a donc, des éclaircissements, donc, des commentaires, on est au fur et à mesure. Donc, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas à poser des questions. Moi, j'essaie donc au fur et à mesure de commenter des questions. Donc, les deux questions que nous allons traiter aujourd'hui, donc la question numéro 23, la vie intitulée cétogenèse, ou la question numéro 37, liée prostaglandine. Nous commençons donc par la question numéro 37, liée prostaglandine. Donc, là, c'est une QCM. Quelles sont les propositions exactes concernant les prostaglandines? Sont des pentapeptides d'origine naturelle. Donc, sont de quelle nature? Des prostaglandines. Donc, les prostaglandines, comment sont de nature divine? Donc, là, d'origine naturelle, c'est vrai, mais sont des pentapeptides, non, pas des pentapeptides. Ont une localisation ubiquitaire. Qu'est-ce que ça veut dire ubiquitaire? Vous savez, partout dans le tout, dans le tout le tout. C'est vrai, donc, ubiquitaire, c'est vrai. Sont des composés de nature lipidique. Là, évidemment, c'est une proposition juste. Sont abondants dans la membrane des globules rouges. Pour moi, exceptionnellement, c'est le seul tissu, si on peut rappeler qu'il s'agit d'un tissu, elle me fiche du prostaglandine. Parce qu'il n'y a pas allergie. L'enzyme est nécessaire, n'hésite pas, pour la biosynthèse en particulier, la prosto-base adulte. Sont abondants dans la membrane des globules rouges. Sont produits à partir des acides gras polyinsaturés. Disaturé. On a un double insaturation. C'est à la rate. Là, également. Donc, ils vont prendre tri. C'est possible. Tri. Il y en a quatre. Tenta saturé. Également, on peut trouver des prostaglandines. Et ce qui va différencier. Donc, les classes des prostaglandines. Ça, les classes des prostaglandines, il y en a classe 2, classe 1, classe 2, classe 3. Bon. Donc, les réponses. Donc, B, C et O. Voilà, donc, pour cette proposition. Si vous passez les globules rouges, si vous passez, je ne sais pas, à la fin. Il faut se passe C. Habituellement, les phosphores passe C coupe à un niveau particulier dans les muscles de l'eau. Les phosphores passe, on a plusieurs types, on a 4 types, A1, A2, C et B. Le C, il coupe à un endroit particulier. Et habituellement, il ne libère pas de l'acide gras. Mais il y a, donc, dans certains tissus, il n'y a pas de spécificité d'endroit pour la notion du passé. Et ça peut couper, et ça peut nous donner des acides gras. Mais c'est exceptionnel. Donc, la notion du passé à deux, c'est l'enzyme préférentielle qui libère l'acide gras de l'eau. Bon. Deuxième question. Parmi les éléments suivants, lesquels appartiennent à la famille des prostanoïdes? Prostanoïdes. Donc là, il y en a plusieurs familles concernant les écosanoïdes. Pour écosanoïdes, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que écosanoïdes? Le terme écosa, ça veut dire.
les écosanoïdes, donc, sont des produits lipidiques ayant bas atomique. Hein. Il y a plusieurs familles. Familles de prostaglandines, le protéine, peut-être, hydroxyde. Donc, dans cette question, nous allons voir quels sont donc les éléments qui appartiennent à la famille des prostaglandines. Le cotrien A4, non. Interleukine, interleukine, ça appartient aux écosanoïdes, ça n'appartient pas aux écosanoïdes. Les thromboxanes, oui, les thromboxanes appartiennent donc à la famille des prostaglandines. Prostaglandine F2 alpha, oui, également sont des prostanoïdes. Les prostacyclines, également les prostacyclines appartiennent à cette. Voilà donc, si vous voulez, la première donc, réponse C, D et E. Troisième question. Parmi les propositions suivantes, lesquelles caractérisent la structure des prostaglandines? Là, l'objectif à évaluer ici, c'est le terme structural. Donc, on doit connaître les spécificités structurales des prostaglandines. Moi, lorsqu'on présente une structure, on peut dire qu'il s'agit d'un prostaglandine ou d'autre chose. Donc, il y a des points qu'il faut connaître pour savoir donc, une molécule qui va être présentée, par exemple, dans une question pour dire effectivement cette structure correspond à une prostaglandine. Donc, il y a des points à retenir. Possède une fonction alcool, OH, une fonction alcool, en position alpha sur le carbone 15. Donc, le numéro du carbone. Dis-moi, le premier carbone, c'est le carbone qui porte la fonction carboxylique, COOH. Donc, le numéro 15, il porte une fonction OH. Et le terme alpha. Si ce n'est pas alpha, ce n'est pas alpha. Les prostaglandines doivent avoir donc la position de OH en position alpha. Qu'est-ce que ça veut dire le terme alpha? Alpha, ça veut dire qu'il y a un plan dans les prostaglandines. Il y a comme ceci un cycle à 5 sommets. Et également, vous avez donc une chaîne de ce côté, une chaîne de l'autre côté. Il y a donc un carbone ici, qui est le carbone 15. Donc, ce site, il a un plan. D'accord? Donc, pour dire que la position est alpha ou bien bêta, il faut voir l'orientation de ce substituant, le OH. Est-ce qu'il est en arrière du plan ou est-ce qu'il est en avant du plan? Pourquoi il faut faire sur le schéma? Vous n'allez pas voir la molécule devant vous pour dire est-ce que c'est derrière. Il y a une nomenclature, c'est que lorsqu'il est en arrière du plan, il va être schématisé en pointillé. C'est-à-dire comme ceci. OH. Lorsqu'on trouve ce schéma avec des tirés comme ceci, donc comme des pointillés, et on trouve le OH, ça veut dire que l'orientation est en arrière du plan. Lorsqu'il est bêta, comment il va être représenté? Donc, sous cette forme-là, par exemple, cette chaîne que vous avez ici, elle est dirigée, normalement, elle est dirigée en avant du plan. Et oui, donc, la structure, elle est faite comme ceci. Donc, et on continue la chaîne. Donc, si vous trouvez ceci, donc, ça veut dire qu'il est en avant. Alors que cette chaîne-là, elle est dirigée en arrière, comme ceci. Donc, en arrière du plan, ce sont des pointillés. En avant du plan, une sorte de triangle plat.
Alors, ce sont des nomenclatures donc, de chimie, je ne vais pas les modifier, mais pour vous donner une idée qu'une molécule, lorsqu'on modifie son orientation, ça perd la fonction biologique totalement. La fonction biologique là, ne va plus être retrouvée si on change l'orientation de ces éléments. Donc, je répète. Donc, possède une fonction alcool, donc c'est OH, au niveau d'un carbone qui est numéroté 15. Et il est en position alpha, c'est-à-dire ce OH il est divisé en arrière du plan de ce cycle. Deuxième particularité, possède un cyclopentane. Un cyclopentane, c'est celui-là. Donc, le cyclopentane, c'est un cycle qui a 5 sommets. Possède une cystéine en position terminale. S'il y a une cystéine, il n'y a pas d'acide aminé du tout. La chaîne carbonée qui porte la fonction COOH est en position alpha. Oui ou non? Oui. Donc là, c'est la chaîne qui est en agrégé. Donc, il y a le COOH, c'est à ce côté-là. Ce côté donc, possède trois doubles liaisons conjuguées sur les chaînes latérales. Je m'en ai qu'elle est conjuguée. Des doubles liaisons, lorsque vous allez trouver une alternance entre une double et une simple liaison, votre argot, ce sont des doubles liaisons conjuguées. C'est-à-dire, vous allez trouver une double liaison comme ceci, bataille simple, barre double, barre simple, et ainsi de suite. Donc, ce schéma montre trois doubles liaisons qui sont conjuguées. C'est-à-dire qu'il y a toujours des doubles liaisons séparées par des simples liaisons. C'est une liaison conjuguée. Donc, est-ce qu'il possède ces trois doubles liaisons conjuguées? Oui ou non? Non. Donc, les doubles liaisons qui existent au niveau des prostaglandines et des prostaglandines d'une façon générale ne sont pas conjugués. Ne sont pas conjugués. Mais les doubles liaisons habituellement sont séparés par deux simples liaisons. Je choisis deux. Voilà donc les réponses justes. Donc, la première c'est A, B et D. Voilà donc les trois propositions justes. S'il y a des questions, vous les posez. Bon. Quatrième question. Les leucotriènes D4. Là, je vais vous dire pour sa glandine habituellement, donc l'indice d'IMA pour le 2. Alors, leucotriène, d'IMA la parole est le chiffre 4. D'IMA toujours 4. Et nous allons donc expliquer pour quelles raisons. Donc, le leucotriène D4 dérive des acides gras provenant des phospholipides membranaires. Oui, donc ça, c'est un DMP, toujours des phospholipides membranaires. Sont synthétisés par les globules blancs, là où on met le leucocyte. Oui ou non? Oui. Donc, il a découvert. Car c'est le moment où les leucotriènes, parce que l'extraction initiale est faite à partir de leucocytes. Car c'est le moment donc le leucotriène. Inch'Allah, il y a des molécules blanches. Leucotriènes, parce qu'ils ont été extraits à partir des leucocytes. Possède trois doubles liaisons conjuguées. Oui ou non? Le terme leucotriène, pas la triène. Pour le terme triène, ça veut dire qu'il y a trois doubles liaisons conjuguées. Ah, c'est mon triène. Donc leuco, parce qu'il a été fait à partir des leucocytes. Triène, parce qu'il y a trois doubles liaisons conjuguées. Il n'y en a pas quatre. Donc on a pour nous, donc on a D4, parce qu'il y a quatre doubles liaisons. Est-ce que les quatre sont conjugués? Il y en a que trois.
Et la quatrième division, n'est pas constituée. Donc elle est loin des autres domaines. Bon. Contient une partie peptidique liée à la molécule. Au nom de la. Là, quand on a eu des cas, on a deux de côté, on a laissé à la main. Parce qu'il y a des deux côtés qui ne possèdent pas une partie peptidique sur la chair. D'accord ? Donc, là, pour le décap, le décap, qui possède une partie peptidique liée à la chaîne carbonée. Il possède deux chaînes hydrocarbonées portées par un cyclopentane. C'est le prosanone. De côté, non pas de chaîne, non pas de cycle. Donc, cyclopentane, il n'y a pas deux chaînes, il y a une seule chaîne. Donc, les réponses, vous allez vérifier si c'est juste ou pas. Le A, le B, le C également, et le D, d'accord ? Et voilà. Donc, il y a quatre propositions en plus A, B, C, D. Donc la phospholipase A2. Phospholipase, donc quelle est la définition d'une phospholipase? C'est une enzyme. Et l'enzyme a là un caractère, c'est une poupée. Hydrolyse. Donc ce sont des hydrolases, c'est-à-dire qu'ils vont couper en utilisant une molécule d'eau. Et la particularité, c'est qu'il agit sur les phospholipides. Les phospholipides. Mais ils ont une particularité, une spécificité, qu'ils coupent à un endroit bien particulier. Donc, les phospholipides, si vous voulez, donc vous avez toujours hein, le glycérol. Tout le contact du glycérol, c'est un trialcool. Trialcool. Qui trois fonctions OH. OH, vous l'avez mis à finir, c'est un acide gras. Donc, elle est excitée par un acide gras. Éthénéthylphine. Troisième fonction OH, elle est excitée par un autre élément. Niveau. Puisqu'il s'agit d'un phospholipide. Donc, c'est un phosphate. C'est un acide phosphorique. On parle O, P, ou BAD. Hein? Donc il y a O avec X. X qui peut changer. Ça peut être donc l'éthanolamine, la céline, la choline, il y en a beaucoup de choses. Donc les phospholipides, ils vont agir à plusieurs niveaux. Quand on a le premier niveau, A, SMA A1. Phospholipase A1. Phospholipase, elle est A2. On parle de phospholipase. Phospholipase C, elle va agir à ce niveau-là. Et C. Phospholipase D, elle va agir à ce niveau-là. Voilà, donc, habituellement, c'est ça. Mais, en tout cas, il y a des gens qui ont constaté que le C, à titre exceptionnel, avec une action ferme, peut agir à ce niveau-là. Ça peut libérer donc elle peut agir à un niveau comme le A2, mais avec une action qui est très faible par rapport à la phospholipase A2. C'est-à-dire la vitesse de la réaction, elle est très faible par rapport à la vitesse de la réaction de A2. Parce que le A2 a une spécificité d'action au niveau de cet endroit-là. Mais habituellement, le C, il coupe au niveau de l'acide phosphorique. Là, c'est une remarque. Donc, maintenant, j'ai le phospholipase A2. Agit sur les cytines membranaires en libérant l'acide gras en position bêta. Là, comme à plusieurs éléments qui apparaissent. Ah, j'aime bien dire les cytines. Qui est les cytines? Phospholipides. Donc, les cytines,
viva se fosse lui. Donc les lécithines, anche un altro nom chimique, sono la fosfatidile colline. Fosfatidile colline, c'est qui change ici, c'est le X. On a X. Le X, on a dit colline. Colline. Donc c'est un élément aminé, c'est mon colline. Donc lorsque le X ici est remplacé par colline, on a dit mon lécithine. Donc le terme lécithine, c'est un phospholipide particulier où donc, l'élément aminé de la phospholipide est la colline. C'est mon phosphatidine colline. Habituellement, on l'appelle lécithine. C'est mieux que lécithine. Donc, membranaire, donc c'est dans la membrane, en libérant l'acide gras en position bêta. Pas la position bêta. Derrière, le carbone, là, donc c'est alpha. Là, le carbone, là, est sont le carbone bêta. Et celui-là, on est alpha. Ça peut changer. Donc, le bêta vous repousse. D'accord? Donc, à votre avis, est-ce que c'est une proposition juste ou fausse? Donc, c'est une proposition juste. Donc, agit sur l'hélicité membranaire en libérant l'acide gras en position bêta. B est inhibé par la lipocortine. L'hypocortine libérée sous l'influence des glucocorticoïdes. C'est la donc, la lipocortine, effectivement, elle est libérée donc, par l'action donc, des glucocorticoïdes et c'est un élément qui est anti-inflammatoire et vous connaissez bien que les corticoïdes sont anti-inflammatoires. L'effet pharmacologique est constaté au niveau de cet élément-là, c'est-à-dire vont empêcher la libération des prostaglandines, inhiber l'effet inflammatoire donc de ces éléments, en libérant ce qu'on appelle la lipocortine. L'hypocortine, donc, c'est une molécule particulière qui va donc agir pour inhiber la phospholipase. Juste, BAT libère le phosphate à partir des structures lipidiques membranaires. Ce qui libère le phosphate, le lien n'agit pas au niveau donc de la partie où il y a le phosphate. Libère l'acide arachidonique à partir des phospholipides plasmatiques. Oui ou non? Est-ce qu'il y a des phospholipides plasmatiques? Oui, il y en a. Il n'y a pas de phospholipides. Mais il n'agit pas à ce niveau-là. Il ne peut agir que sur des phospholipides membranaires parce qu'il existe, donc cette enzyme existe dans la membrane elle-même. D'accord? Il ne peut pas agir au niveau donc, des phospholipides plasmatiques. Agit sur les thromboxanes en modulant son action physiologique. Oui ou non? Il n'a pas d'effet sur les thromboxanes. Son effet, c'est uniquement au niveau de la membrane où il va libérer l'acide arachidonique. Donc, les réponses justes, comme vous le voyez, le A, le B, et c'est tout. On a peut-être un message d'offre, c'est A. B, B c'est ou le A c'est. Le prix alors, on va le faire. Je vais le faire.